j'ai réellement rencontré Dieu. Dieu vivant, Dieu vrai, Dieu lui-même. Non pas par des paroles humaines sur lui, mais lui. Dieu innommable et insondable, Dieu silencieux et pourtant proche, Dieu qui se donne dans sa Trinité. J'ai fait l'expérience de Dieu. Une telle certitude peut vous sembler banalité. En réalité, elle est énorme. Énorme pour moi face à l'incompréhensible mystère de Dieu. Énorme face à notre époque vide de Dieu. Cette expérience est grâce, il est vrai. Mais de ce fait, elle n'est interdite à personne. Tout homme peut rencontrer Dieu de façon immédiate. Et donc dans ma vie, je vais expliquer comment on peut rencontrer Dieu de manière immédiate et comment cette expérience se déploie au point qu'on rencontre Dieu en tout. Ignace de Loyola a vécu à l'aube des temps modernes. Né en 1491 dans le Pays Basque au nord de l'Espagne, conduit par l'Esprit de Dieu, il a fondé une forme nouvelle de vie religieuse, une communauté. La Compagnie de Jésus, qui rassemble aujourd'hui 450 ans après sa mort, des milliers de jésuites à travers le monde. Aussi, beaucoup de communautés ou mouvements se reçoivent de sa spiritualité. Chaque fois que l'Esprit-Saint, comme à la Pentecôte, descend sur un groupe d'individus, à la fois il les rassemble, il les unifie, car c'est un esprit de paix, c'est un esprit d'amour, et à la fois il les ouvre. Il leur fait parler d'autres langues, il les ouvre à la diversité, il les disperse. Eh bien, cette aventure de l'Esprit a été vécue tout particulièrement par les premiers compagnons de Saint Ignace. Alors, nous avons pensé que nous pourrions, en suivant la vie de Saint Ignace, repérer comment l'Esprit-Saint va le transformer, comment à la fois il va l'unifier et l'ouvrir. Mais peut-être qu'il est utile pour nous de repérer des étapes, repérer des passages. En particulier, cette première étape pendant la bataille de Pampelune. En 1521, j'étais un chevalier, un noble fonctionnaire au service du roi de Navarre. Et jusqu'à l'âge de 26 ans, j'ai mené une vie attachée aux vanités de ce monde. J'aimais beaucoup les femmes, les duels. Je voulais la réussite et l'honneur. Mais ma vie s'est effondrée à l'âge de 30 ans. La Navarre était envahie par les Français et tout le monde s'est rassemblé à Pampelune, dans la forteresse de Pampelune, les soldats et les nobles, les aristocrates. Lui a pris la tête un peu de la résistance aux Français et là, au mois de mai, un boulet de canon lui a brisé la jambe. Donc il s'est retrouvé boiteux à vie. Je ne voulais pas me rendre aux Français, mais cet accident, ça a été mon chemin de Damas. Et c'est pendant les 9 mois qu'il va passer sur son lit de convalescent que Dieu va frapper à sa porte. Mais de façon très bizarre. Il s'embêtait, il adorait les romans de chevalerie. Il n'y avait pas de romans dans le château familial, il y avait simplement une vie des saints et une vie du Christ. En lisant, je m'arrêtais pour penser. Je me disais, que serais-je si je faisais ce qu'ont fait Saint François ou Saint Dominique ? Et m'imaginer vivre toutes les austérités réalisées par les saints me donnait des consolations. Et même quand j'arrêtais d'y penser, j'étais heureux, allègre. Et parfois, je pensais aux choses du monde. Je m'imaginais noble chevalier au service d'une grande dame. J'imaginais les moyens que je prendrais pour aller la voir, les paroles que je lui dirais. Je m'y délectais pendant des heures. Mais quand fatigué, j'arrêtais d'y penser, j'étais triste, mécontent de moi. C'est là qu'il a commencé pour la première fois à se rendre compte que Dieu pouvait nous parler à travers ses pensées que nous ne maîtrisons pas toujours, et surtout à travers les affects qu'il éprouvait, tantôt à la pensée de mener une vie brillante de chevalier, tantôt à la pensée de vivre pour Dieu.
Et il s'est dit qu'il y avait un appel du côté d'essayer de vivre l'Évangile comme les saints l'avaient vécu. Ignace se décide alors à imiter les saints, à faire des exploits pour Dieu. Une fois guéri, il part en mendiant en pèlerinage vers Jérusalem. Il s'arrête à Manresa, un petit village en Catalogne. Donc il fait son propre discernement. Il est à l'école de la prière. Et à ce moment-là, déjà, Jésus va le prendre par la main comme un maître enseigne un élève ou comme un parent éduque son enfant pour qu'il soit conduit peu à peu de transformation en transformation. À Manresa, j'ai expérimenté avec une force et une netteté plus grande la pure incompréhensibilité de Dieu. Seul, face à lui, priant à genoux 7 heures par jour, ne vivant que d'aumônes, j'étais très travaillé par des scrupules. Bien que je confessais régulièrement mes péchés, je n'étais jamais satisfait de moi-même. L'impression que je n'avais pas confessé certaines choses torturait toujours mon esprit. Tenté de mettre fin à ma vie, je cherchais à tout prix à me débarrasser de ces scrupules. J'ai jeûné de nombreux jours pour obtenir de Dieu la paix, mais je n'ai pu en venir à bout par moi-même. Il est enfermé en lui-même, dans son narcissisme encore. Et c'est lorsqu'il a décidé de ne plus se confesser, lorsqu'il a décidé de manger à peu près comme tout le monde, et de prier sur un rythme beaucoup plus raisonnable, comme le lui demandait son confesseur, que, comme par enchantement, tous les troubles dans lesquels il était sont partis, il est entré dans une grande paix intérieure, et qui, par la suite, ne l'a plus jamais quitté. Et il a bénéficié de 5 grâces mystiques très fortes, visions, dont il vivra toute sa vie. Dieu m'enseignait intérieurement en agissant directement dans ma vie. Alors que je priais à la rivière du Cardener, il m'a ouvert les yeux de l'esprit. Je n'ai pas eu de vision, mais j'ai compris et connu intérieurement beaucoup de choses, aussi bien spirituelles que des choses concernant la foi et les lettres. Et cela avec une telle clarté que ces choses me paraissaient nouvelles. Cet homme est rejoint par la Trinité. Il vit une sorte de Pentecôte trinitaire. Je ne peux pas expliquer tout ce que j'ai compris, mais j'ai reçu une grande clarté. De sorte que si je rassemble toutes les nombreuses aides que j'ai reçues de Dieu dans ma vie, toutes les nombreuses choses que j'ai sues, il ne me semble pas avoir reçu autant de choses que cette fois-là. Ce fut une rencontre absolument décisive. Et un des fruits de cette rencontre, c'est cette nouvelle mutation, cette nouvelle transformation chez saint Ignace. Alors que c'était un homme seul, qui luttait pour sa propre sainteté, qui vivait plus que pauvrement, la grande transformation, c'est qu'il va comprendre que son appel, c'est de s'intéresser à la sainteté des autres. Le pèlerin, l'homme de la grotte ou l'homme au sac, comme on disait, parce qu'il vivait revêtu d'un sac, et les gens l'appelaient l'homme au sac, le saint, il va s'intéresser à la sainteté des autres. Il va comprendre que sa vocation, c'est de sauver les âmes. Je veux dire aux hommes quelque chose de Dieu, de sa grâce, de Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Et cette expérience vécue à Manresa, je n'en ai pas fait un privilège qui m'était réservé. Mais je l'ai écrite, notée, afin que d'autres puissent la vivre comme des exercices spirituels. Une telle aide pour rencontrer Dieu de manière immédiate me paraît essentielle aujourd'hui.
À l'âge de 18 ans, de 20 ans, j'ai rencontré le livre même de Saint-Ignace, ce petit livre, le livre des exercices. Je me suis mis à le lire, à le méditer, et je l'ai découvert comme un trésor. Alors j'ai découvert qu'il y avait des réponses, qu'il y avait des ouvertures, qu'il y avait une méthode de vie, un ordre de vie, et qu'il y avait surtout une grande affinité avec l'Écriture sainte. J'ai compris que Saint Ignace avait eu l'intuition que l'Écriture sainte comprend un dessin, une dynamique, et il reprend cette dynamique dans son livre. Alors, la relation entre les deux m'a aidé beaucoup à pénétrer dans la spiritualité des exercices. En début de l'année 1523, Ignace choisit de quitter Morez et embarque pour Jérusalem. Il va à Jérusalem pour rencontrer le Christ, pour se mettre à la suite du Christ, là où le Christ a marché, là où le Christ a prêché, là où le Christ est mort, et pas seulement pour y faire pèlerinage, mais pour y rester toute sa vie. J'ai choisi de vivre à la suite de Jésus pauvre et humble, non d'un autre. Ce Jésus qui est au cœur de ma pensée, ce Jésus que j'aime, ce Jésus que je cherche à imiter, ce n'est pas une idée abstraite. Cette conformité à Jésus humble entraîne pour moi un mode de vie spirituel et ecclésial qui est inconciliable avec les positions de puissance dans le monde, mais aussi l'exclusion du pouvoir ecclésiastique. Pourtant, par ma naissance dans l'une des meilleures familles basques, il m'aurait été facile de devenir quelqu'un. Son idée, c'était un projet individuel. Il voulait s'installer à Jérusalem pour faire du bien, aider les âmes, comme il disait, des pèlerins qui venaient là, et même éventuellement convertir des infidèles. Et arrivé là-bas, il a découvert qu'on n'avait pas le droit de rester plus de 15 jours à Jérusalem, puisque Jérusalem était occupée par les Turcs. Donc il a rembarqué. C'était au plus fort de l'hiver. Je rejoignais l'Espagne, Barcelone. Je comprenais que la volonté de Dieu était de ne pas être à Jérusalem. Je me demandais sans cesse en moi-même, mais quelle est sa volonté? Au fond, Saint Ignace se posera tout le temps cette question. C'est d'ailleurs la question que nous devons nous poser nous aussi. Comment discerner la volonté de Dieu? Eh bien, Saint Ignace, peu à peu, il a cette, on pourrait dire, cette spiritualité de l'événement. La porte de Jérusalem se ferme pour lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Ne pouvant rencontrer le Christ de l'histoire, de l'incarnation à Jérusalem, à Nazareth, dans le pays de Galilée, il va essayer de retrouver le Christ dans les Écritures, dans la formation. Il décide de se former. En 1528, Ignace arrive à Paris. Il suit les cours et partage sa chambre au collège Sainte-Barbe avec un jeune étudiant navarrais, François Xavier. Parce que pour nous, orgueilleux que nous sommes, le chemin le plus dur n'est pas celui qui monte, mais celui qui descend. Et il faudra bien descendre un jour, tout à l'heure, dans un trou de terre meuble. Mais alors, que restera-t-il? À quoi sert de gagner le monde si on vient à perdre son âme? Mais descendez, François, mais descendez bien. Le plus dur n'est peut-être pas d'être modeste, mais d'avoir assez d'ambition. Assez d'ambition pour faire craquer les barreaux de notre suffisance. Assez d'ambition pour ne demander rien de moins que tout. Mais nous sommes mesquins, François. Nous demandons quelque chose, et toujours moins que tout. Une brioche pour notre 4 heures, un oreiller pour notre nucrète. Nous demandons à Dieu moins que lui-même. Et alors ces hommes si divers vont vivre quelque chose de l'amitié spirituelle. Ils vont devenir amis dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, amis dans le Seigneur?
C'est vouloir que l'autre rencontre le Seigneur. Alors saint Ignace va donner des exercices. Descendre. C'est vrai que j'ai peur de descendre, moi. C'est vrai que moi, j'ai peur de demander tout et de risquer de perdre quelque chose. J'ai peur, moi, que mes jambes soient brisées. Peur de mourir, moi. Peur de moi me perdre. Peur d'être dépossédé, mais alors, peur de m'attacher aussi. Peur d'être dépossédé aujourd'hui par peur de m'attacher demain. Je ne sais plus ce que je dois choisir. Monter, sauter, boiter, descendre. Comment aurais-je la force de descendre ? Il y a quelqu'un qui nous a précédés tout au fond, François. Quelqu'un qui nous a devancés tout au fin fond de la détresse et qui, tout en bas, a jeté son ciel. Et dans la fosse de notre misère, sa miséricorde. Avec cette croix, il nous offre tout. Avec cette croix qui nous tend de toutes parts à l'extrême, et qui joint le ciel et la terre, et l'Orient et l'Occident. Hélas, vous me donnez l'envie de vous casser l'autre jambe. Mais il est tard. Avec ce sautillement obligé, je m'en vais à l'office du soir. Par le moyen de ces exercices spirituels, plusieurs étudiants sont transformés de l'intérieur. Unis grâce à l'amitié personnelle de chacun pour le Christ, ils deviennent les premiers compagnons autour d'Ignace. C'est ainsi que le 15 août 1534, sur la colline de Montmartre, ils choisissent ensemble de consacrer totalement leur vie à Dieu en prononçant des vœux de pauvreté et de chasteté. À cette époque, tous, nous avions déjà décidé ensemble de ce que nous devions faire. Aller à Venise et à Jérusalem pour dépenser nos vies et être utiles aux âmes. Et si la permission ne nous était pas donnée de rester à Jérusalem, nous retournerions à Rome pour rencontrer le pape, le vicaire du Christ, pour qu'il nous emploie là où il jugerait que ce serait davantage pour la gloire de Dieu et plus utile pour les âmes. Les neuf compagnons arrivent à Venise en 1537, mais cette année-là, à cause de la guerre des Vénitiens avec les Turcs, il n'y eut pas de traversée. Ils vont donc à Rome, mais ils ne savent pas très bien ce qui les attend et ils sont un peu inquiets. Et on sent que saint Ignace demande vraiment une confirmation. Durant ce voyage, j'ai été spécialement visité par Dieu. Je venais d'être ordonné prêtre à Venise. Je priais souvent Marie de bien vouloir me mettre avec son fils. Et là, à quelques kilomètres de Rome, dans cette petite chapelle de la Storta, j'ai senti un tel changement dans mon âme et j'ai vu si clairement que Dieu le Père me mettait avec le Christ son Fils que je ne pouvais pas douter de cela, que Dieu le Père me mettait avec son Fils. La vision de la Storta est très importante pour lui. Elle est comme une confirmation de ce qu'il a vécu au Cardonnerre quelques années auparavant. Il a une confirmation que vraiment le Seigneur le veut avec lui. Cette vision qu'il avait d'être intégré au cœur même de la Trinité, en quelque sorte se réalise, s'actualise. La Trinité non seulement l'invite à une qualité d'être avec lui, mais aussi d'agir. C'est-à-dire qu'il va agir avec la Trinité. Il va être à l'œuvre avec la Trinité, en même temps qu'il va être en communion étroite avec la Trinité. Arrivés à Rome, ils se présentent chez le pape qui les encourage
et les envoie prêcher en les dispersant dans différentes villes de l'Italie. Mais à ce moment-là, les neuf compagnons sont devant ce paradoxe. L'Esprit Saint les a réunis et voilà qu'il les disperse. Comment peuvent-ils garder cette unité dans cette dispersion? Comment vont-ils faire? Faut-il fonder quelque chose? Faut-il garder des liens? Faut-il nommer parmi eux quelqu'un qui garde les liens? Un responsable qui aurait autorité? Faut-il faire vœu d'obéissance? Faut-il fonder une communauté nouvelle? Alors, ils vont prendre un temps de délibération. Et cette fois-ci, saint Ignace ne cherche plus la vérité tout seul. Il est en communauté. Et ce fut une véritable délibération communautaire en 1539. C'est ainsi que, tout en continuant leurs occupations quotidiennes et en se rencontrant régulièrement, au bout de 3 mois, ils décident à l'unanimité qu'il convient mieux de rendre obéissance à l'un d'entre eux. C'est ainsi que, par un vote, Ignace est élu premier préposé général de la petite compagnie de Jésus, formée par les 10 compagnons de l'époque. À l'unanimité, ils comprennent qu'ils ont comme ça un double lien, un lien d'obéissance au pape, un vœu spécial d'obéissance au pape, mais aussi qu'ils doivent former un corps pour la mission, une communauté pour la dispersion, une communauté en Pentecôte, où il y ait à la fois l'unité et l'envoi. Qu'est-ce qui les amène à ainsi vouloir rendre obéissance à l'un d'entre eux? C'est le désir de ne pas avoir le dernier mot sur leur existence. Se perdre soi-même pour se trouver. Et de réaliser que dans la vocation qui était la leur, se perdre soi-même, ça voulait dire donner à un autre l'autorité sur soi. Et qu'il ne suffisait pas pour ça simplement d'avoir fait vœu d'obéissance au pape, ça existait déjà. Mais que dans le concret de leur existence, il fallait qu'ils puissent réussir ce ne pas être soi-même, à soi-même, se perdre. Il fallait réussir à se perdre. Et que ça, c'était un vrai chemin pour eux. C'est ainsi que depuis le 2 février 1528, jour où Ignace entra seul et à pied à Paris, jusqu'à l'arrivée à Rome d'un petit groupe de 10 prêtres, la petite communauté d'amis dans le Seigneur surgit et s'accroît. Le 27 septembre 1540, le pape Paul III approuve et confirme le projet apostolique d'Ignace et de ses 9 compagnons. Pendant les 15 dernières années de sa vie, Ignace reste à Rome. Le pèlerin est devenu immobile. À sa table de travail, il écrit plus de 8000 lettres à ses compagnons missionnaires, devenus nombreux dans les différents continents, et il se consacre à la rédaction des constitutions de la compagnie. Jérôme Nanal, qui connaissait bien saint Ignace parce que c'était son secrétaire, a dit de lui, il se laissait conduire suavement vers un chemin qu'il ne connaissait pas. Le mot latin, c'est suaviter, ça veut dire avec goût, avec joie. Il se laissait conduire avec joie vers un chemin qu'il ne connaissait pas. Alors là, je trouve que nous avons comme en résumé cette spiritualité de saint Ignace. Il s'agit de trouver Dieu en toute chose. Il s'agit de trouver sa joie dans toute circonstance, dans tout événement. S'il ne pouvait pas rester à Jérusalem, eh bien, peu importe, il s'agissait de suivre le Seigneur autrement. Et là, à Rome, il est un peu le centre d'une grande dispersion qui va aller grandissante. Et peu à peu, sa spiritualité se précise. Il a vraiment compris qu'on pouvait trouver Dieu en toute chose. Et il a pu l'enseigner à ses compagnons, par exemple, à François-Xavier. Vous, François, vous resterez ici.
Vous resterez ici comme secrétaire de la compagnie. Le pape demande que des compagnons partent en mission en Inde. Ignace préfère envoyer Rodriguez et Bobadilla plutôt que François-Xavier, à qui il demande d'être secrétaire de la compagnie. Secrétaire. C'est très grand péril que je me voyais courir en criant « Masse, masse !» Être secrétaire n'est pas exempt de péril. Reconnaissons-le. Le Christ nous a commandé d'aimer le prochain, non les lointains, François. Et c'est l'amour du prochain qu'il faudrait porter là-bas, non le désir de l'évasion. Ah sinon, à quoi sert de gagner le monde? Un bon missionnaire, ça sait rester en place. Ça sait se tenir au piquet, comme un panneau qui indique la verticale que c'est à la verticale qu'il faut continuer. Ça n'a pas la bougeotte, un bon missionnaire. Ça n'a pas la démangeaison de partir, mais c'est appeler, appeler. Parce que la mission première, c'est la mission de l'immobilité, trouver dans l'ordinaire, ici, Dieu. Être secrétaire, par exemple, et être malgré tout prêt à écrire avec son cœur et à verser l'encre comme son propre sang. La vie cachée de Nazareth. 30 ans de vie cachée. 30 ans de vie cachée. À être le fils du charpentier. À être l'apprenti du charpentier. À être soi-même charpentier pour la mission de la planche bien lisse. Aimant le travail bien fait du bois au point qu'après ce sera par le bois qu'il voudra être travaillé. Par le bois encore, ouvrant ses bras comme une mère. 30 ans de vie. Ordinaire et caché. Et des milliers d'années à se cacher derrière le tout venant, derrière le fretin gros et menu de tous les jours. Ici, François. En vous, Père Ignace. En vous, Père François. Et dans ce crucifix. Présent. Et présent même à ce mot. Présent. Oh, la mission profonde qu'être secrétaire. Avec cette encre noire de ténèbres qui peut écrire des paroles de lumière. Avec cette main, ma propre main, souple, agile, éloquente avec son petit théâtre de marionnettes pour parler, écrire, tenir, lâcher, cogner, bénir, jouer, consacrer. Cette main qui s'articule, Dieu sait comment. Ce corps mien et qui n'est pas mon œuvre et qui s'organise grâce à quelqu'un qui l'organise. Et quand je serai un croyant, je devrais bien avouer qu'il s'organise, ce corps. Dieu sait comment. Oh. Oh, surprise permanente de ce qui est toujours là. Elle est présente partout. Partout, et ce n'est pas lui, c'est nous qui sommes absents. C'est nous qui sommes ailleurs, qui scie à sa présence, qui crée et façonne et gouverne toute chose. La merveille que d'être secrétaire. La merveille que d'être. Une lettre pour Ignace arrive au courrier. Pour y répondre, le père François, en tant que secrétaire, est appelé. Vous m'avez fait appeler, mon père. Un mot à écrire d'urgence? Oui,
Un mot à écrire d'urgence. Le temps que j'aille chercher l'encre, la plume et le papier. À la peine, François. C'est un mot à écrire avec votre âme, sur votre cœur. Oui, oui, je sais que c'est comme cela que doit faire tout secrétaire, mais ça n'empêche pas la plume, le papier et l'encre. Bobadilla est malade. Il ne peut pas partir. C'est à vous d'aller à sa place. À prendre votre place. Empaquetez vos affaires, vous partez demain rejoindre votre bateau à Lisbonne. Que dites-vous ? En avant donc, mon père. Je suis ici. Mais je me réjouissais d'être secrétaire. Tant mieux, c'est ce qu'il faut pour aller là-bas. C'est une spiritualité qui rend possible un choix libre. Un choix libre sans des entraves, sans des choses qui empêchent de voir la volonté de Dieu. Et dans ce sens, c'est une spiritualité qui aide à se mettre en contact direct avec Dieu. C'est-à-dire la supposition, la présupposition d'Ignace, c'est que l'Esprit Saint a un contact direct avec chacun de nous. Il a une mission pour chacun de nous. Et chacun de nous doit découvrir cette mission et elle est toujours différente. Même pour moi-même, cette année, ce n'est pas la mission de l'année passée. Alors chaque année, je dois la découvrir. Pour cela, ce n'est pas un exercice de parole, d'exhortation, de dire des choses, mais c'est de comprendre le dessein de Dieu, d'entrer dans le dessein de Dieu à travers la Bible, parce que la Bible nous met dans le monde de Dieu. Comme ça, j'essaierai d'expliquer les exercices. La parole de ce mois est dans l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 9 et 10. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve. Pour ce mois, nous vous proposons de prier pour tous les jésuites à travers le monde et pour toutes les communautés et mouvements de spiritualité ignatienne. Pour ceux qui veulent approfondir la spiritualité de Saint Ignace, la Fraternité œcuménique internationale a publié un numéro spécial en français. Pour vous procurer la revue, le DVD de ce film ou le DVD de la pièce de théâtre « À quoi sert de gagner le monde ?», vous pouvez adresser vos commandes à AME, 10 rue Henri IV, 69 287, Lyon-CEDEX 02, France.